Les produits de la ferme. Qu'est-ce que c'est? C'est une brique de lait. Quel animal de la ferme donne du lait? La vache. Le lait vient de ses pies. Et le fermier, pour avoir le lait, il traite la vache. Et ça, c'est quoi? Ce sont des œufs. Quel animal de la ferme pond des œufs? La poule pond les œufs dans le poulailler. Et le fermier, pour avoir les œufs, il les ramasse. C'est une pelote de laine. C'est doux ou c'est rugueux? C'est tout doux. Il y a plein de fils qui se croisent. Quel animal de la ferme donne de la laine? Le mouton. Et cet animal, que nous donne-t-il à votre avis? Il nous donne sa viande. On pose les quatre produits par terre. L'œuf, la laine, le lait et la viande. Puis on présente les quatre cartes lexicales des animaux. La poule, la vache, le mouton et le canard. Puis on tire une carte, on la nomme et on la dépose près du produit qui convient. On fait de même avec les trois autres cartes. Rappelez les paires réalisées. La vache et le lait, la poule et l'œuf, le mouton et la laine, le canard et la viande. Observons la fiche 12 du fichier Lola. Quels animaux reconnaissez-vous? Le canard, la poule, le mouton et la vache. Quels produits de la ferme reconnaissez-vous? L'œuf, la laine, le lait et la viande. Que nous dit le pictogramme? Je relis. Que peut-on relier à votre avis? Par exemple, on peut relier l'œuf et la poule parce que c'est la poule qui donne des œufs. Et ainsi de suite. À la fin de cette séance, l'enfant sera capable de découvrir les produits de la ferme et d'identifier l'animal et son produit.